Salut tous et lunes et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique. Parce que oui, aujourd'hui les gars, vous avez vu la miniature, on va essayer, enfin on va le faire. On va voler les gars des voitures de luxe un peu partout, des voitures cachées etc. Il y a pas mal de trucs et on va faire toute une collection, voilà, devant la maison de Franklin, j'ai envie de dire. Et franchement, je peux dire que c'est pas mal parce que Simeon, il nous attend pourquoi les gars? Et bien tout simplement pour aller choper des véhicules heavy, parce que là on va voler des voitures de luxe les gars, ça va être magnifique. Franchement, je vous le dis, on va voler des grosses voitures. Donc c'est parti, let's go, allez. Ok, du coup c'est parti, j'ai mis ma petite tenue. Hey Simeon, what's up man? Yeah, ok, je vais te ramener quoi comme voiture? Ouais, ok, d'accord, ok. Bon bah il veut que je ramène les gars des voitures, donc c'est parti. Allez, let's go, on y va, il nous envoie notre première mission, on y va. Ok les gars, on arrive près de la maison. Ah ouais, il y a deux gardes du corps les gars. Il y a deux gardes du corps. Waouh, déjà la maison elle est magnifique. Par contre, je crois que je vais passer par derrière les gars. Je crois qu'on va passer par derrière. Waouh, la maison est pas mal, mais le problème c'est qu'on peut pas passer par en dessous, je crois. Non, on peut pas passer par en dessous. On va faire le tour, les gars. On va faire le tour, parce que là, je peux vous dire qu'il y a une putain de voiture devant. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux voitures, on a... Ouh, on a la Carbonizar et tout. Oh, shit, il faut qu'on se fasse attraper, les gars. Doucement, doucement. Passe par là. Oh, shit. Waouh! Ok, les gars, c'est parti. Allez, salut! Pouhou! Ah ouais, magnifique, les gars! Regardez-moi ça, les gars! Regardez-moi ce que j'ai! Oh. Ah ouais, mais c'est quoi comme Lamborghini, ça? Elle est tout simplement incroyablement magnifique. Bon, je vais vite m'échapper avant qu'ils appellent la police. Je vais m'arrêter, vous inquiétez pas, sur le bas... Oh là là, je vais m'arrêter sur le bas-côté. On va s'arrêter sur le bas-côté. Déjà, première voiture. Waouh! Elle est trop belle. Lamborghini. Donc je sais pas c'est quoi comme Lamborghini ça, mais wow. Franchement, je pense que Simeon il va être content. Donc du coup c'est parti les gars, on va livrer ça, à tout de suite. Ok les gars, c'est parti. Simeon, on va te ramener ta voiture. Ok, déjà première voiture, c'est pas mal. On va la garer tranquillement. Je vais la garer comme ça. Allez hop, je vais la garer là, sur le bas côté. Wow, elle, déjà juste celle-là, elle est incroyablement magnifique. Alors, prochaine mission de Simeon. Donc les gars, la prochaine mission, ça va être une voiture vraiment pas mal, mais c'est très sécurisé, donc je sais pas comment ça va se passer. C'est très risqué, c'est vraiment très risqué. Donc on a déjà les premières voitures, on en a 6 ou 7 à récupérer. Donc je peux vous dire, on prend des risques, on va dans des grosses maisons. Donc c'est parti pour le prochain véhicule. Ok les gars, on est actuellement devant... Devant la prison les gars, devant la prison. Et la prison, dans ce petit garage ici. Regardez-moi ce qu'il y a, je vais vous montrer de loin. Regardez. Oh ça c'est pas mal ça. Regardez ce qu'il y a les gars derrière. Le problème c'est qu'il y a un garde juste devant. Donc je sais pas si je l'abats avec un sniper. Est-ce que si je tire ça risque de... Ou je l'assomme. Je vais l'assommer je pense. Je vais l'assommer les gars. Je vais la sommer avec quoi? Un petit peu américain, les gars. Vraiment discret, les gars, vraiment discret. Faut vraiment que ça soit discret. Faut pas qu'on se fasse choper. Oh, par contre, j'ai peur qu'il nous voit dans la tour, les gars. J'ai peur qu'il nous voit dans la tour. Oh, il y a d'autres voitures de police. Ok, discret. On passe par là. Tout discret, les gars, tout discret. Tout discret, c'est quand même une grosse voiture qu'on a. Les gars, on est sur le pont, Il pose son café. Allez, c'est fait. Pouhou! Et c'est parti! What is this shit? On a une Lamborghini, les gars. Une Lamborghini, on va tester la vitesse. Oh là 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 là, Lamborghini de police, les gars. Deuxième véhicule livré pour Simeon. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Dites-moi si vous kiffez, mais regardez-moi ça. Les gars, oh my god, regardez-moi ce bijou. 3 sorties de pot d'échappement.
police partout, les gens sont incroyables, c'est magnifique, c'est la deuxième trouvaille du jour, donc c'est parti, on va aller la livrer, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, une Lamborghini en plus les gars. Ok, c'est parti, on est à côté, et on va livrer notre deuxième petite voiture, Lamborghini. Hop, on se gare tranquillement. Oui, là, mais je veux dire, soyez pas choqués, quoi. Je veux dire, soyez pas choqués, c'est notre deuxième petite trouvaille. Oh, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Ok, Simon, t'as une autre mission pour nous. Simon, il a une autre petite mission pour nous. Par contre, ça va être un peu compliqué. C'est chez les bikers, je crois. Je sais pas s'ils sont là. Donc, c'est parti pour le prochain véhicule. Ok, les gars, on arrive près de notre but. On est chez les bikers actuellement. Et les bikers, ils ont fait une petite dinguerie. Ils ont acheté des voitures, enfin des motos. Je sais pas si on peut appeler ça des motos, des dragsters. Magnifique, regardez-moi ça. Oh les chiens, par contre, je crois qu'il n'y a personne, je vois personne en visuel. Je vais passer par là. Ok, je vois personne, les gars. Je vois personne. Je vais passer tranquillement par là, les gars. On va passer directement par là. Allez, c'est parti. On va passer directement par là. Non, 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 j'espère qu'il n'y a personne. J'espère qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, les gars. Oh, ils sont en train de manger ou je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais what is this shit? Oh! Il y a les flics. Il y a la police. Il y a la police, non? J'ai vu la police. Aïe aïe, j'ai vu la police, les gars. J'ai entendu la police. J'ai entendu les sirènes. Ça fait peur, tout ça. J'ai pas envie d'avoir la police au dos, moi. Waouh! Incroyablement giga méga magnifique. Regardez-moi cette beauté. C'est des routes Formule 1 encore derrière. Mais waouh! What is this shit? Je vais garer ça comment, les gars? Alors, comment je peux garer ce truc? Waouh, déjà, il accélère plutôt pas mal. Par contre, pour ranger ça, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Ça va être compliqué, les gars. Je sais pas si vous kiffez ce genre de moto, les gars. Dites-moi dans les commentaires. Waouh, la vitesse, c'est cheaté, là. Comment on peut garer ça? La question, c'est comment on peut garer ça? C'est ça la vraie question, c'est ça la question du jour. Comment on va garer ce truc chez Franklin? J'ai hâte de voir, les gars. Alors, on va arriver à côté, là. Ok. On tourne juste ici. Et on arrive chez Franklin. Par contre... ouais. C'est un peu compliqué pour garer ça. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Vous savez quoi, les gars, je vais la mettre là en attendant. Je vais la mettre là en attendant de récupérer tous les autres. En tout cas, elle est incroyable. Franchement, cette voiture est pas mal. Voilà, cette petite moto, c'est une dragster. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Waouh. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre moto préférée, votre véhicule préféré. Parce qu'on en a encore pas mal à aller chercher. Donc du coup, c'est parti. Simon, il a une autre mission à nous envoyer. Et let's go. Ok les gars, on arrive au prochain objectif. Alors le problème ici les gars, c'est que c'est vachement sécurisé. On va regarder avec le sonnet puisqu'on a comme véhicule. Alors on a ici, ok, rien de spécial, ok. Donc ça c'est les véhicules de garde du corps. Par contre il y a 3 gardes du corps. On a une T20 ici, on a un truc ici, c'est pas mal aussi. Il y a pas mal de trucs, même en haut il y a des voitures les gars. Ouais, regardez tout l'argent et tout les gars. C'est un blindé, lui. Et ici... Oh, shit! On a une Ferrari magnifique, ici. Ok, par contre, va falloir absolument que je les tue. Ok. Ok, c'est fait. C'est parti, les gars. C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas de garde du corps dedans. Mais je crois qu'il n'y a personne, vu que il y a des baies vitrées. Par contre, c'est... Moi, je crois que j'ai tué tout le monde, les gars. En fait, je suis tranquille. Ok. Regardez-moi cette maison de fou. Bon, je vous montre quand même l'intérieur. Waouh, ouais. Elle est ultra méga magnifique avec la baignoire et tout. La baie vitrée. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, les gars, et bien tout simplement, c'est voler la pute. Le Ferrari. La féfé. Regardez. C'est une féfé de course, les gars, je crois, les gars. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est méga, ultra, giga, trop belle. Je sais pas ce que vous pensez pour l'instant. C'est quoi votre véhicule préféré dans les commentaires? Mais là, celui-là, il relève le niveau quand même, les gars. Là, je suis assez surpris de ce véhicule. Là, Simon, tu me surprends.
On a déjà pas mal volé de trucs. En plus, là, on a une Féfé, on a une Lambo, on a une Dragster, on a quoi encore? Il nous faut quoi, les gars? Il nous faut pas mal de choses. Il nous faut pas mal de choses. C'est parti, encore une trouvaille. Bonsoir. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. Bienvenue à ta petite voiture. Tu vas te garer tranquillement ici. Bon, je vais te mettre là. Je vais te mettre là. Voilà. Je vais te mettre là, tranquillement. On a trois grosses voitures. C'est incroyablement magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de choper d'autres choses. On va essayer de choper d'autres choses. On a d'autres missions. Donc, nous, notre but, les gars, c'est que le garage soit plein. C'est que vraiment que le garage soit plein. Par contre, celle-ci, je pense que je vais les ranger. Je vais les ranger après. Donc, du coup, c'est parti. C'est parti, Simeone nous a envoyé une autre mission. Une autre mission. Une autre mission. Et cette fois-ci. Pour ceux qui se souviennent, ici on avait fait. Ah, ça c'était à la belle époque, les gars. C'est ici qu'on a fait notre première mission. Nos premières missions sur GTA, les gars. Et là, apparemment, on a un véhicule. Oh. Oh, c'est pas mal. Par contre, c'est pas sécurisé. Donc, ça, c'est vraiment stylé. Ok, regardez-moi ça. Ça, c'est un véhicule de fou, les gars. Range Rover. Alors, je sais pas c'est lequel exactement. Je vais regarder derrière. Ah ouais, c'est le Velar, ok, je vois c'est lequel. C'est le Velar, il est trop beau. Il est méga trop beau. Et en plus, c'est quoi, c'est un véhicule de France, ça? Non. Oh, c'est un véhicule allemand, donc c'est un riche allemand. On a volé un allemand, voilà. On vole un véhicule allemand, pourquoi pas? Ok, eh bien, petite trouvaille, petit Velar, ça fera un 4x4, hein. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a que des supercars. Par contre, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, attendez. Waouh, ouais, l'intérieur est pas mal. C'est un 4x4, quoi, je veux dire. Moi, j'ai toujours été fan de Range Rover, et franchement, ils font des putains de trucs. Et là, eh bien, du coup. Oui, bah, désolé, voilà, je veux dire, moi, j'accélère. J'ai toutes les plaques, c'est des plaques de Los Angeles, là, genre d'Amérique. Et nous, là, on a une voiture avec une plaque d'Allemande. Enfin, c'est quand même cramé, hein. Je veux dire, c'est quand même cramé. C'est-à-dire que si la police nous voit, on risque quand même de se faire contrôler. Mais c'est notre petite trouvaille, Range Rover Velar, je veux dire. Que demander de plus, les gars? Que demander de plus? Par contre, je sais pas s'il y aura de la place du coup pour lui. On va faire de la place avec, ouais, avec le véhicule de Franklin là, parce que là, je veux dire, on a des véhicules un peu plus haut de gamme. Donc c'est parti, let's go. Là, ça commence à faire beaucoup, les gars. Ça commence vraiment à faire beaucoup. C'est trop là. Le Dragster, je sais pas si je peux la mettre derrière. Non, je vais la mettre là. Je vais le laisser là pour l'instant. Ok, bah c'est parti pour le prochain véhicule. Ok, du coup les gars, on est actuellement au dernier véhicule. Et alors, on a une sorte de scène, il y a la police et tout. Je sais pas ce qui se passe ici. Je vais prendre mon snipe. Voir ce qui se passe. J'ai un mort ici. Oh, ok, c'est une scène de crime. What? What? Il se passe quoi? Ok, je me fais tirer dessus. Ok, je me fais tirer dessus, les gars, je me fais tirer dessus, y a les flics. Ok, vite, 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 avant que tous les autres arrivent. En plus, on est juste à côté du commissariat, je crois que derrière c'est le commissariat, les gars. Ok, c'était une scène de crime en fait. Ah ouais. Magnifique, regardez, y a un hélico, y a. Ah ouais, j'ai limite envie de prendre l'hélico. Mais on a. Oh là là, la Zondar, les gars. La Zondar. Pour ceux qui s'y connaissent en véhicule. Pouah. Incroyable. La Pagani, les gars. Pouah. Magnifique. Alors, je vais vous montrer de nuit. Ce que ça donne. Enfin, de jour, je veux dire. Waouh. Clairement, waouh, les gars. Regardez les pots d'échappement. Il y a 4 sorties de pots d'échappement. Est-ce que ça bombarde ça? Oh, il y a les flics et tout, les gars. Elle est ultra méga cheatée. Je vais remonter par là, tiens. Je vais remonter par là. Waouh! Alors, franchement, les gars, pour un dernier véhicule, je dois vous avouer que je suis assez surpris. Et là, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment beau, ce véhicule. Donc, après, à vous de me dire. On va aller tranquillement ramener ça à Simone chez Franklin. Et vous me direz, selon vous. C'est lequel votre véhicule préféré, tout simplement, entre tous? Alors moi, personnellement, je les aime tous, hein, je vais pas vous mentir, je les aime tous. Mais c'est vrai que je vais choisir aussi, je vais choisir aussi. Mais déjà, celui-là, il est incroyable, celui-là. Celui-là, il est vraiment beau. En fait, c'est le derrière, avec l'aileron et tout. C'est une dinguerie.
Bon, on va se retrouver chez Franklin, à tout de suite. Ok les gars, c'est parti, on est dans le Checor, on est dans le quartier et on va arriver pour livrer le dernier véhicule de la collection. Ouais, Franklin, entre-temps, il s'est garé, quoi. Franklin s'est garé entre-temps. Bah écoutez, je vais la mettre là pour l'instant. Je vais la mettre là, mais regardez-moi les véhicules qu'on a. Putain, mais c'est trop. On a le véhicule de Franklin, on a le Vélar, on a la Ferrari ici, qui est très très belle, c'est une Ferrari de sport. En fait, on a deux véhicules sportifs, un peu de course. On a cette voiture de... Bah, cette Lamborghini, hein, de police. Et on a la magnifique Lamborghini également ici. Et le Dragster. Ok. Bah franchement c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un épisode 2. Voilà, mettez un petit like, n'hésitez pas. On va dire allez à 3000, 4000 likes, 5000 likes, on se fait un épisode 2, n'hésitez pas. Et du coup les gars, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas Simon il est très content de ce que j'ai pu lui apporter aujourd'hui. Et moi je suis très content également parce que j'ai une très belle collection. Du coup on se retrouve prochainement pour une prochaine collection. Peut-être que je ferai une collection de moto, une collection de voitures supercar, etc. On verra bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir. Et n'hésitez pas à nous dire aussi quel est votre préféré, parce que moi je vous ai pas dit c'est lequel. Mais du coup mon préféré, moi franchement ça reste la Fefe là. La Fefe là elle est pas mal. Du coup les gars, hop je reprends ma caméra. On s'asse là dessus, c'est tout pour cette vidéo. Ciao ciao.